blessés, c'est une longue histoire déjà, ça fait 6 ans, et ils ont été là dans les moments hyper difficiles et aussi dans les très bons moments. Tout bien, on termine 5e des championnats d'Europe et là où on est vraiment content, c'est qu'on a des difficultés à démarrer en commençant 40e et après on s'est fait une belle remontada. Comme dit Kevin, on a surtout une première journée difficile avec beaucoup d'erreurs. On a réussi à finir par faire des très belles finales, quoi, tout simplement. On fait les meilleures finales de tous les Fortune Liners. Les premiers Français. Les premiers Français aussi, évidemment. C'est une bonne chose de fait, surtout ça concrétise un peu le travail de notre jeune association. Donc voilà, on commence à être de plus en plus solidaire et la technique commence à être un peu plus facile. Moi, c'est un peu court, mais on est prêt, on est super content d'avoir lancé cette dynamique en étant 5e au championnat d'Europe. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts, on va continuer à pousser fort dans les derniers mois, la dernière ligne droite pour être prêt à Oman. C'est de se qualifier pour Paris 2024, donc c'est les Jeux auront lieu à Marseille. À la maison. De ramener une médaille à la maison. L'essai, c'est une longue histoire déjà, ça fait 6 ans, et ils ont été là dans les moments hyper difficiles et aussi dans les très bons moments. Et là, on a attaqué le championnat vraiment dans le dur, et de savoir que chaque soir, vous attendiez à la remontada et qu'on la réalisait, ça me donnait encore plus d'envie de continuer sur ce beau chemin. Continuez de nous soutenir. Merci.